culturel d'Ivia, mon gars. Hashtag coup de cœur. Hashtag coup de cœur avec Dame. Coup de cœur, aujourd'hui, je suis content, les gars. Aujourd'hui, je suis content, car il manque des FPS, et j'ai l'impression que Gearbox Software m'a écouté. Alors, je ferme ma gueule et je te laisse profiter du trailer. Rated M for Mature. Serrano tried to use us. Tried to use us to murder civilians, political rivals, reporters. You're saying Serrano killed reporters? At least one I know of. A guy named Novak. You've been injured in the attack. I'm gonna help you. You, your drunken thirst for revenge just killed our crew. Gotta get you out of here. Undo some of my mess. We help you get to the evac. You help us get off world. That's the deal. If you know who carried out the hit, tell me right now! Novak? What, do you know him? Et ben voilà les gars, et ben voilà l'annonce qui m'a fait plaisir. Certes, c'est pas Borderlands 3. C'est pas grave, c'est quand même un putain de jeu que moi j'attends, parce que c'est un jeu en fait, pour la petite histoire, que j'avais vu comme ça sur YouTube, et je me suis dit, mais ce FPS, mais pourquoi on l'a pas? Pourquoi on l'a pas sur notre petite Switch, les mecs? Et oui, parce que moi en plus, je suis un grand fan de FPS nerveux. Avec mon petit Wolfenstein, je me suis éclaté, mon gars. Avec mon Doom, je te raconte pas, mon pote. Et ben là, ça y est, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des micros chez moi, les mecs. Ils m'ont écouté, ils ont voulu faire plaisir aux dames. Et ben voilà, cette annonce, moi, me fait vraiment, vraiment plaisir. Attention quand même. Ce jeu, et ben les mecs, il date quand même. Il date de 2011. De 2011, les mecs. Il est sorti sur la PS3 et la Xbox 360. C'est pas un nouveau jeu, hein. C'est pas un nouveau jeu. Ils ont sorti, en fait, en 2017... un full clip édition pour la PS4 et la Xbox One. Et bien là, du coup, ils ont dit, bon, ben écoutez, il nous manque une console à qui on n'a pas refourgué notre jeu. Et bien c'est la petite Switch. Et donc, du coup, ben là, ils nous lancent une édition spéciale d'Upneken pour notre Switch, les mecs. Et bien moi, je vous avoue, j'ai pas boudé mon plaisir. Même si c'est pas un dernier triple A, même si c'est pas un nouveau jeu qu'il y a qui nous sorte, et bien je suis content parce que ce jeu, il est nerveux. Ce jeu, il est fait pour moi, ce jeu, c'est de l'arcade pur. C'est un défouloir de chez défouloir. Mais comme je vous ai dit, hein, comme par rapport au Doom, comme par rapport au Wolfenstein, les mecs. Et ça fait du bien. De ne pas se prendre la tête et d'aller directement à la bagarre, à la baston. Là, on est bon. Du coup, je vais vous parler quand même, du speech de base de ce jeu. Parce que oui, on va se battre, on va se chicoter, on va se malaxer, mon pote. Mais il y a quand même une histoire. L'histoire, c'est quoi? Alors, l'histoire, elle est bateau. Hein. Franchement, l'histoire, je vais sur Wikipédia, les mecs, avec vous. Je vais vous la lire, tranquille ou bilou. Et vous allez dire ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça tient sur un mouchoir de poche. Hein. L'histoire, c'est simple. Bulletstorm suit les aventures de Gregson Hunt, qui s'appelle, que l'on appelle la plupart du temps simplement Ray. Il fit autrefois partie avec ses coéquipiers Ishi Sato, Rel Rulian et White Oliver, entre parenthèses dit le doc, de la Dead Echo, une escouade d'élite à la solde du général de la conférence nommé Serrano.
la Dead Echo effectuait des assassinats de supposés criminels. Cependant, ils découvrirent lors de l'assassinat d'un dénommé Bryce Novak, un russe j'imagine, que celui-ci était en fait un simple reporter. Aïe, mais pourquoi tuer un innocent, Gray? Il venait de finir un article sur la corruption de Sarano, ce salopio, et détenait des preuves incriminantes sur la Dead Echo, sur l'escouade les mecs. En fait, Sarano les utilisait à des fins personnelles pour éliminer les éléments gênants qui étaient, en fin de compte, des citoyens innocents. Là, ça se présente pas, mon gars. Gray, il est pas content. Du coup, le mec, il est fou de rage. Il se rebella contre Sarano. Il entraîna avec lui l'équipe Dead Echo dans sa quête de vengeance et de rédemption. Eh oui, parce qu'il a tué quand même des innocents. Quelques années plus tard, il est devenu pirate de l'espace et attaquant des vaisseaux de la Confédération, donc du général Sarano, bien sûr, Gray et compagnie entrent en contact avec le vaisseau Ulysse, la fierté de la Confédération, ayant vraisemblablement à son bord en plus le général qui... Sarano, mon pote. Prenant une décision impulsive, influencée par son état d'ébriété, avancé, oui, il s'était bourré la gueule, le Gray. Gray décide donc d'attaquer l'Ulysse, malgré l'inégalité flagrante des forces. Malgré tout, il réussira à fortement endommager l'Ulysse, et l'Ulysse, en se propulsant à toute vitesse, droit sur lui. Il a fait le coup du bélier. Par la suite, les deux vaisseaux s'écrasent sur la planète Stygia, non loin de là, c'était un ancien centre de villégiature. L'affrontement a gravement blessé Ishii, Gray et Rel partent alors à la recherche d'une pile afin que le Doc puisse lui sauver la vie. Il trouve la dite pile et la ramène au vaisseau, mais les habitants de la planète, d'une extrême agressivité, tuent Rel et le Doc durant le processus qui a fait d'Ishii un cyborg. Merde alors! Étant maintenant pratiquement seul contre tous, Gray et Ishii tenteront le tout pour le tout afin de quitter la planète, même si cela nécessite de travailler avec le pire ennemi, le général Sarano. Oula, c'est quoi ce cliffhanger, les mecs? Il va être obligé de bosser avec son ennemi juré. Ça va être compliqué pour Gray, j'imagine. Mais on s'en fout! Ça, je vous ai dit, c'est une histoire bateau. On s'en sent pas les sexes. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu es en train de regarder, mon ami. C'est le gameplay. C'est le gameplay parce que le Gray, qu'est-ce qu'il peut faire? Balancer des gros coups de tatane! Des gros coups de tatane avec après un bullet time et où tu peux continuer à fracasser dans les airs ben, ton ennemi. Et il y a cette arme, regardez, il y a cette arme aussi là. Là, cette arme avec ce lasso là, laser là. Un petit peu à la Metroid Prime, j'ai l'impression. Moi, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. On a dit vraiment le grappin de Samus Aran dans Metroid Prime. Bref, le gameplay, il a l'air péchu. Il a l'air on a l'air de tout défourailler. Je pense qu'à la longue, bien sûr, c'est répétitif. Mais ce genre de jeu, c'est pas ça qu'on demande, quoi, que ça soit répétitif ou pas. C'est qu'on demande qu'on s'éclate. Et si tu peux prendre ta dose de temps en temps et t'éclater sur ce jeu, moi je dis oui. Et puis il manque des FPS, on l'a dit, il manque des FPS. La petite valeur ajoutée, donc, c'est quoi en fait? C'est ce petit Duck Nukem qui fait son apparition là. Duck Nukem, le célèbre, le mythique, et bien là qui va revenir, et qu'on pourra utiliser en mode solo, avec en plus ces putains de punchlines qui ont été retravaillés pour l'occasion. Et ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Moi je dis, c'est ce genre de jeu que je veux voir moi sur la Switch. Des jeux nerveux, des jeux arcade. C'est ça, c'est à ça que je veux jouer. En plus les tests, alors je vous passe les tests, mais il y a jeuxvideo.com qui lui a mis un 16. Il y a là, regardez, attends, je regarde vite fait. Il y a le Génération Nouvelle Technologie, 8 sur 10. Il y a le, bon, eux, ils sont un peu plus compliqués dans leurs notes, ils sont plus sévères. Le Gamecult, 6 sur 10. Mais sinon, il y en a d'autres. Le test, celui-là, il a combien, celui-là, mon gars? Il n'y a pas la note, mais ils disent, ah si, 7 sur 10. Le jeu a l'air bon. Moi, je dis, le jeu a l'air bon. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il sort quand? Il sort cet été, les mecs. Cet été. Donc, on va pas attendre gavé de temps. Ça veut dire que c'est bientôt, donc bientôt je vais pouvoir me défouler sur un bon FPS. Je dis merci. En attendant, bien sûr, Gearbox, là, que vous nous sortiez, bien sûr, le fameux Borderlands 2, qu'on a eu des rumeurs qui pouvaient sortir sur la Switch, parce que le 3, apparemment, c'est mort, ce que je comprends pas, parce que je pense qu'ils auraient pu le bosser sur le 3. Bref,
On attend plus de jeux. Faites comme Bethesda. Balancez-nous la sauce, quoi. Et vous allez voir que vous allez trouver un public sur la Switch. Parce qu'il y a des gens qui kiffent ces genres de jeux. Bref, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était mon coup de cœur. Toi, n'hésite pas à dire sur la case commentaire si tu as kiffé ou pas ce coup de cœur, quoi. Si tu attends ce jeu ou non. Balance des pouces bleus. Balance des pouces pas bleus. Je m'en fous, mon gars. Je veux commenter avec toi. En tout cas, moi, je te kiffe. Je te dis à très bientôt. Abonne-toi. N'oublie pas, il y a la case aussi abonnement. Abonne-toi. Soutiens Eldivia. Et en attendant, bien sûr, mon prochain coup de cœur, je vous dis le fameux. Viva Eldivia, mon gars. Hashtag Bullet Storm, mon pote. Bye.